l'artificialisation qui est due aux entrepôts logistiques et aux entrepôts de e-commerce, mais même si je prends la globalité des entrepôts logistiques, c'est moins de 1%. Ce débat n'est pas un débat sur l'artificialisation, que c'est un faux débat écologique, et que ce n'est pas en faisant et en votant ces amendements-là que vous allez résoudre la question de l'artificialisation dans notre pays. Je vous remercie, monsieur. Merci, monsieur le Président, pour répondre à monsieur Caspary. Un faux débat écologiste, bon, en même temps, on est sur un faux texte écologiste. Donc autant y avoir un vrai débat économique. Je ne vous entendais pas, monsieur Caspary, vous disiez tout à l'heure, mais ça ne fait que 1% des surfaces. Mais quand, sur les terrasses chauffées, je vous ai dit que ça faisait 0,01% des émissions de CO2, vous n'aviez pas du tout le même argument. Ça vous semblait au contraire très important. Je vais vous poser une question. Quand vous voyez qu'un entrepôt d'Amazon, le prochain qui va ouvrir dans l'Oise, fait 55 000 mètres carrés, soit 8 terrains de foot, ce qui, s'il était un centre commercial, le placerait au 56e rang, je viens de vérifier, des plus gros centres commerciaux français. Vous pensez que ça n'a pas à être traité aussi sous la forme d'une forme d'autorisation commerciale ? Serions-nous à ce point hypocrites ?